Salut les violoneux! Bienvenue au coffre à outils de l'épisode 1 de Trad Québec Studio. Dans l'épisode 1, on a appris Eva's Tune de Erskine Morris. Et avant de vous ouvrir le coffre, permettez-moi de vous suggérer d'avoir bien assimilé la pièce, la mélodie, avant de rajouter des nouveaux coups d'archet ou des nouveaux ornements. À mon avis, ça va vraiment faciliter votre apprentissage. Ceci dit, on y va! Ça vous montrer une couple de petits trucs. Dans Eva's Tune, ça va être au début. Première affaire, on peut jouer un accord pour commencer, pour vraiment donner l'appui sur le 1. En jouant le La sur la corde de Sol. Si on joue un La sur notre corde de Sol, puis la corde ouverte, on fait l'accord de Ré. Fait qu'on peut commencer avec ça. Puis après ça, on pince les deux cordes d'en bas avec le premier doigt. Ça l'accentue la syncope aussi qui est dans la mélodie. À faire, c'est un ornement que j'aimerais ça vous montrer. À partir de... Fait qu'au lieu de faire... C'est juste une petite tape, on arrive sur le Fa dièse en premier. Fait qu'au lieu de faire, on fait... La dernière chose, c'est que j'aimerais ça porter votre attention sur les syncopes qu'il y a dans cette pièce-là. C'est vraiment... Fait que si vous êtes capable d'accentuer ça avec votre archet, peu importe les coups d'archet que vous faites, ça va vraiment swinguer. Fait que j'espère que ça va vous aider pour Eva's Tune.